Eh salut YouTube, on est en live Twitch encore une fois, hein, magnifique Twitch, hein, Twitch encore en forme. Et on est avec le train 226 au départ de Valorbe et on va aller jusqu'à Dol. Donc le train 226 c'est un train de nuit qui roulait il y a un petit moment déjà entre Rome et Paris. Et donc voilà, on est sur la partie française de ce train. Et donc voilà, on va démarrer la machine. Alors il y a des horaires mais ils correspondent pas trop, hein, j'ai un peu fait le scénario à l'arrache. M'en voulez pas. Hop, on lève le panto. On va y aller le KVB, il est déjà bon, hein, les réglages sont déjà bons. Et merci à Geoff qui offre un sub. Merci Geoff. Ah, quelle générosité ce Geoff. Incroyable. Ouais, on dépasse du quai, ouais. Alors, j'ai pris une compo presque réaliste. Je vais vous expliquer pourquoi je dis ça tout de suite. Je mets la loc en route. Hop. Hop, on met les freins en service. Alors, la compo est réaliste. Et merci à Drake Fanta pour ton sub. Bienvenue. Aïe 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 aïe. Alors, merci beaucoup Drake Fanta. Pourquoi c'est quasiment réaliste? Parce que toutes les voitures sont bonnes, sauf les MU que j'ai mis au milieu. Parce qu'en fait, les voitures qu'il y avait de base, elles n'étaient pas dans le jeu. Et donc les MU ressemblaient par rapport à la livrée, donc j'ai mis les MU de traîneau noté. Ce qui tombe bien pour un traîneau noté, vu que c'est un train de nuit. Et après, le reste de la compo est réaliste avec la petite corail en queue. Voilà. Donc on dépasse du quai, oui on tient pas à quai effectivement. Alors je sais pas comment ils faisaient, mais en tout cas le nombre de voitures est très réaliste. Fond vert est cassère? Comment ça, fond vert est cassère? Il est pas cassère le fond vert. Mais non, il est pas cassère. Ah si, peut-être là sur le côté. Oui bah faudra pas tout regarder. Hein. Non, ça se verra pas, c'est bon. Ah oui si, effectivement il est cassère le fond vert. Oh là là, quel enfer! Quel enfer, hein. Faut que je corrige ça. Attends, il bougeait pas. Plus de lumière. Voilà, je mets plus de lumière, ça sera peut-être moins cassère. Enfin, j'espère. C'est toujours cassère là ou pas? Non, c'est plus cassère là. Est-ce que c'est cassère? Non. Non, c'est bon, c'est pas cassère. Ah, quel enfer ce fond vert. Hein. Alors bon, en tout cas, on va partir. Donc on est prêt. Alors j'ai pas mis d'ordre de prendre les passagers. Alors dans le RP du scénario, le train est en retard, hein, parce qu'il passe beaucoup plus tôt que ça. Mais je préférerais le faire en retard, qui est quand même assez réaliste hein, pour ce train-là, et un peu plus de jours. C'est tout bon, on peut y aller, on desserre les freins. Et nous voilà partis de Valorbe. On active l'acquittement. Donc départ à 40 km/h. C'est pas un télo, non. C'est pas un télo, c'est l'époque avant télo. D'ailleurs, j'ai pris la 26014 avec le blason de Dol, vu qu'on va à Dol, c'est quand même assez sympa. En plus, une belle livrée Corail Plus. Que demande le peuple? Que demande le peuple? Allez, on décolle tout doucement. On regarde si le train roule bien. Voilà, on quitte la gare de Valorbe. Oh, la vue intérieure des corails, c'est juste formidable, hein. Ça donnerait tellement envie d'avoir un autopilote dans TS, genre juste être en vue passager, un peu comme TSW, finalement. Mais ouais, que le train se conduise tout seul, et nous, juste être dans la voiture corail, là, comme ça, admirer les magnifiques paysages des maps, notamment de Dol Valorbe, hein, qui est vraiment une très très belle map. Regardez-moi, ah ouais, ça c'est beau ça. Ah ouais, juste, je pourrais passer toute une heure comme ça avec cette vue-là, dans les corails. Les voitures Lead Train Italia, elles sont de. J'ai oublié le nom du site, c'est Amici TS. Vous tapez juste Cari Train Simulator dans Google, vous trouvez, c'est le premier lien. Ouais, les voitures MU sont gratuites, ouais. Amici Train, voilà, merci Luzo. Non, quitte tout doucement Valorbe. Alors, ne faites pas gaffe à l'horaire, hein, c'est. On va pas le respecter probablement. On va prendre notre temps pour admirer cette belle map. Et merci Jimmy pour ton 11e mois. Bientôt un an. Bienvenue à toi Jimmy, merci. Merci pour ta fidélité de presque un an. De bientôt un an. Ah, regardez comme c'est beau. Elle est un peu belle en plus. Hein. Ah, excès de vitesse, ne regardez pas. Hein. Enlevez le HUD, voilà. Là, c'est mieux comme ça. Hein. Ça va, ça ne joue pas trop fort pour vous en tout cas.
Et salut monsieur du 92, bienvenue à toi. On va accélérer parce que ça commence à monter. T'as déjà joué à Train 6 Mord? Alors oui, j'ai joué à Train 6 Mord et c'est de la merde. Salut Luri, bienvenue. Allez, on est parti. Alors il fait un peu nuit, hein. Il fait un peu nuit dans le tunnel. Les projecteurs, ça aide pas grand-chose. Faudra vous habituer. Non mais regardez, voilà. J'ai envie de dire, à partir de là. Attendez, on va se mettre la AVI, vous allez voir. Hop. Cimetière 140 ici. Alors, on va se prendre un peu de marge. Voilà, 135. Voilà. Voilà, regardez, c'est beau. C'est beau. Ah, c'est 130 le carry? Ah merde. J'ai pas fait gaffe. Attendez, le TIV carry, où il est? Le TIV carry. Ah, 830, pardon. Effectivement, my bad. Hop. Voilà, 125, du coup, on va se mettre. Se garder un peu de marge. Regardez comme c'est beau, quoi. Ah, ça patine un peu, par contre. En même temps, ça monte beaucoup, hein. Du coup, on doit perdre des points, je suppose. Ouais, on perd des points de patinage de Gaël. Donc, on va perdre des points, c'est pas grave. On va rester quand même comme ça. On m'a appelé. On gagne des points. C'est vrai qu'on perd beaucoup de points là. En plus, d'ailleurs, le message de perte de points qui est jaune. Ah bah là, on ne voit plus le message, mais il était jaune. Armand a vraiment fait du beau boulot sur la ligne, ouais. Armand a vraiment bien bossé, hein. Ça c'est sûr. Train lourd, alors combien on a de tonnes? On a 800 tonnes, 700 tonnes on a. 703 tonnes en masse de RAM. Donc oui, c'est quand même assez conséquent sur une rampe de combien? Là on est sur du 13, 13 pour 1000. Ça commence à faire, hein. Pour la montée en vitesse, c'est un peu compliqué. Du coup, on a combien de voitures sur la RAM? 1, 2, oh, c'est compliqué à compter là. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 voitures on a. On a vraiment un train à 15 voitures là. C'est fort agréable. La ligne, c'est Dol-Valorbe, Nathan. Qui court. Ah non, t'as pas encore arrêté d'arrêt. Ah bah là, les quais seront courts. Hein. Ah, le premier arrêt, on avait déjà loupé, hein, parce que le train ne tient pas à quai à Valorbe. Il va bientôt sortir du tunnel. Ça va, le 26 000, j'aime bien le choc en vrai. Et merci à Julien pour les 70 bits, merci beaucoup. Merci Julien. Allez, on rentre du tunnel, on se remet le HUD quand même. Quand même. Il arrive au sommet de la rampe et on va attaquer une pente, donc une descente. On roule en Allemagne. Alors non, c'est de la voie unique, donc on ne roule pas en Allemagne, ça va. Hop. Voilà. Il a la log pour se reposer un peu. Quoique, le freinage rostatique va bien servir. Le train, il s'arrêtait où?
Et je crois qu'il s'arrêtait à Dijon et Paris. Peut-être Dole aussi, mais je sais plus s'il s'arrêtait à Dole. Et merci à Geoff qui fera un sub. Merci beaucoup Geoff pour ta générosité. Encore une fois, merci énormément. Est-ce qu'il va falloir freiner? Ouais, on freine un coup. Je sais pas trop comment aller prendre ces rampes, ces pentes là comme ça. Et merci à le monsieur du 92, merci pour ton follow, bienvenue. Et merci également à Enorc pour ton resub, merci. Ah, toutes ces alertes, hein, merci à tous. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas stream, c'est normal, hein. Merci à tous en tout cas. Merci pour votre générosité et votre soutien. Tu vas aimer les TV 90, ouais, c'est sûr, ouais. Salut Cooper JR, bienvenue. Voilà, regardez comme c'est beau, quoi. Et merci également à Ketner17. Merci beaucoup pour ton sub-gift. Merci beaucoup. Et oui, ce qui est dommage avec les voitures italiennes, par contre, c'est qu'elles font pas bruit. Elles sont véroniques, comme on dit dans le jargon. On est sur Dolvalorb actuellement. Donc, ligne est disponible sur RW Central. Donc, vous pouvez trouver gratuitement sur, sur ce site-là. Gratuit. Ah, tu mettras 500 en commentaire, bien sûr. Faut mettre 500 en commentaire. J'ai activé les China, Nathan. Ils sont activés. D'ailleurs, les MU font le bruit, donc ce qui montre bien que les China sont activés. Donc voilà, nous voilà lancés à 130 km/h. Donc on a un premier passage à Fran, je sais plus comment on dit. On m'avait dit une fois mais j'ai oublié. Bon, on est déjà en retard, mais on est déjà en retard de base, donc Et salut Raytrag, bienvenue. Salut également à Rudy. Ouais, c'est une ancienne double voie, c'est bien ça, ouais. C'est une ancienne double voie qui a été mise en voie banalisée. Se mettre ici. Ils font pas de bruit, c'est dommage. En tout cas, ce qui est bien cette ligne, c'est qu'on y roule vite. Hein. Là-dessus, il n'y a pas de soucis. Il y a du beau dévers en plus, ouais. A plus, un RF à la prochaine. Bon courage pour les Molotov. Ouais, il est trop tôt pour siffler, c'est pour ça que je siffle pas au tunnel. Là, il est 6h du matin. C'est à 7h, si je fais de bêtises, le moment où on siffle. Il n'y a jamais trop tôt pour siffler. Non, quand même. Quand même, quand même. Non, mais en tout cas, ouais, c'est vraiment une ligne que j'apprécie énormément. Alors, par contre, il me manque des pancartes qui ne sont pas dans le pack d'assets. Il faudrait que je trouve lesquelles il me manque.
Il manque des pancartes, et donc bon, on va faire sans. Et franchement, le décor est hyper soigné, la végétation est belle, il y a rien à redire. C'est vraiment une map formidable. Moi, je la recommande. Je la recommande. Donc là, j'ai mis la météo d'Armstrong Powerhouse pour ce scénario, qui offre un ciel magnifique. Et les sons, c'est juste qu'il y a une clôture des assets dans RV Tool. Ah, et comment on y répare ça du coup, Luzo? Parce que moi, j'ai mis ton pack d'assets et rip quoi. Ah, t'es en train de bosser dessus, d'accord, Luzo. Ok, ça marche. Ah, c'est beau, hein. Et là, on a un 90 du coup, hein. Ah ouais, c'est bien ça, hein. On a quitté. Allez, nickel, on se met à 90 tout doucement. Alors je freine fort parce que je sais que sur la ligne, il y a des zones qui sont vraiment vraiment très dures à respecter. Et si on freine qu'à 0,5, et ben on les respecte pas. Donc je freine bien un bar à chaque fois. Moi je suis sûr de pas me faire avoir. Et donc là on maintient 90 tout doucement, hein. Effectivement, on arrive à freiner. Ouais, l'exécution du 90 qui est juste ici. C'est pas celui-là qui est dur à respecter, peut-être plus loin qu'une 1 qui est vraiment dur à respecter si on freine qu'à 0,5. Celui-là il devrait passer à 0,5. Tu peux dérailler, c'est non. C'est non, c'est non, c'est non, c'est non. C'est non. C'est non. Hop, alors qu'un TR est garé à quai à côté. Ouais, on est en retard, hein, c'est normal. Moins 440, d'accord, ok. Et bah, si tu veux, le jeu, on fait comme ça. Si tu veux. Hop, bah tiens, il y a un fret qui passe en même temps, tout à droite. Le céréalier pour Valorbe. Coucou le fret. Ah, ça descend d'ailleurs, on va freiner un coup. Et merci à KS83, merci pour ton follow. Et d'ailleurs, vous voyez, je crois que c'est le 125 là-bas qui manque. C'est si j'ai un signal qui manque, ouais, il y a bouteille de lait. Donc je suppose que pour moi c'est 125 si je dis pas de bêtises. Donc on va se mettre la VI à 120 pour se garder un peu de marge et puis on va accélérer tout doucement. C'est 130 ici pour moi, d'accord, bon bah on va se laisser à 125. Voilà, hop. 140 c'est pour les automotrices. Ah merde, il n'y a pas un sectionnement là par contre aussi. Ah, il y a trop de choses qui se passent sur cette ligne, hein. Non, je crois qu'il est plus loin, le sectionnement. Là, c'est rien, ça. Bah non, il y avait rien. Il est plus loin. Il est plus loin.
Ah, franchement, elle est cool la ligne. Hein. Il y a un 90 à la joue. Ah, je sais plus où c'est la joue. C'est beaucoup plus loin, non? C'est pas ça? C'est ici? Ouais, c'est ici, ok. Ouais, si, vous avez bien vu, il y a bien un souci avec la catenaire. Hein. Ça, c'est l'Usorus qui est à. Qui casse les maps des Français en fait. Non, en fait, c'est un outil qui est work in progress, comme on dit. Donc, c'est normal qu'il y ait des petits soucis encore. Ça va être réglé dans les jours à venir. Dans les semaines à venir. Ah, c'est Usorius, hein. Toujours là pour casser. Oula. Pourquoi je dois quitter ça par contre? Bah je freine dans le doute, mais c'était voie libre, on est d'accord, hein. Ah, anomalie signalisation, hein, incroyable, hein. Tout est reproduit, hein. Tout est reproduit. C'est quoi la consigne quant à ça? Bah du coup, je pense que c'est frein d'urgence, vu qu'il répète, ça peut être un carré. Donc je suppose que c'est frein d'urgence. Bah pour être RP, mais pas trop, on va dire que c'est un avertissement, hein. Voilà. Pour être RP mais pas trop. Ouais, ça c'est arrêt d'urgence, on est d'accord, hein, ouais. Voilà, on va te mettre à 30 comme c'est un avertissement et puis voilà. Ça donne envie de voyager en train de nuit, de voir des choses comme ça en vrai. Et train du retard, bah oui, bah écoutez, malheureusement ce train-là était souvent en retard. Ça manque ces corailles-là, elles sont en Italie. Ah oui, elles ont le i. Elles ont le i. Effectivement, elles pouvaient y aller. Je n'ai jamais vu de corail en Italie, me semble. Même en termes de photos, j'en ai jamais vu. Allez, on se met à 30, hein, tout doucement. Et buvez bien pendant ce temps. Ça donne soif, hein. Ça donne soif. Ou la caméra qui devient floue, ça cause la bouteille, ça. Et bah, du coup, on a bel et bien un avertissement à cet endroit-là, hein. Pour le coup. On quitte. A plus Geoff, à la prochaine, merci de passer, encore merci pour les subs. Avertissement, c'est seulement quel plaisir. Ah oui, mais ça va, c'est en descente, ça devrait bien se passer. La map, c'est Dol Valorb. Et Suzer Fox, bienvenue. Est-ce qu'on peut mettre l'eurostatique peut-être?
Ouais, ça suffit, nickel. Et merci à Vaudour, merci pour ton resub et bonsoir à toi. Hop, on va pouvoir fermer le DJ. Et merci également à Zerflox, merci pour ton prime, bienvenue. Merci beaucoup. Et bah donc là on a bien un carré. Et celui-ci, bienvenue. Tu peux casser la sousta. On va éviter quand même. Hop, allez, on va s'arrêter au carré. Et merci également à Cathy Lucha, merci beaucoup. Merci pour ton prime. Hop, allez, on s'arrête tout doucement. Alors pourquoi tu es en carré? Et merci également à Bondour qui offre un sub à Wizbot. Merci beaucoup. Merci Bondour. Ah, merci. Et du coup, YouTube, on va se laisser là-dessus pour cette première partie de la VOD. Merci de l'avoir regardé. Et on fera la suite du trajet dans une prochaine VOD. Merci YouTube et tu marqueras carré en commentaire. A plus.